Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Paul Kamounié-Fokam, patron du réseau de banques Afriland First Bank, confirme l'implantation de sa banque en Côte d'Ivoire. Il en a donné l'assurance aujourd'hui au chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, rappelant que le groupe a récemment finalisé le rachat d'Access Bank Côte d'Ivoire, consolidant ainsi sa présence sur le marché de l'Afrique de l'Ouest. Et cet arrêt de travail des chauffeurs de véhicules poids lourds hier sur l'ensemble du territoire ivoirien, ils protestent contre le coût élevé de dépannage des véhicules par la société abidjanaise de dépannage, la SOAD, indexée. L'entreprise mise en cause a dit être victime elle-même d'arnaques de la part de certaines structures. Au terme de négociations, ces chauffeurs réunis au sein de l'Union des fédérations des chauffeurs de véhicules poids lourds ont appelé à la reprise de leurs activités ce mercredi. Vous les entendrez dans la grande édition. À l'étranger, Jean-Yves Le Drian en visite mercredi en Centrafrique. C'est la troisième fois depuis le lancement de l'opération Sangaris que le ministre de la Défense va à la rencontre des troupes françaises sur place. Au programme de cette tournée africaine, une rencontre notamment avec la nouvelle présidente centrafricaine, Catherine Samba-Panza. Face à la gravité de la situation sur le terrain, le ministre devrait également faire preuve de fermeté et engager les forces françaises à durcir le ton face aux milices qui continuent à semer la terreur. S'exprimant devant les médias, Barack Obama et François Hollande ont réaffirmé l'existence de l'alliance unissant leurs deux pays. La conférence conjointe des deux présidents, qui a eu lieu hier après-midi à la Maison-Blanche lors du deuxième jour de cette visite officielle du chef de l'État français aux États-Unis, s'est déroulée dans une bonne ambiance. Elle a duré 1 h 5 min, plus longtemps que prévu. Reportage. La deuxième journée de la visite d'État du président français aux États-Unis a été dominée par les 2 heures d'entretien dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Sur les deux grands dossiers géopolitiques du moment, l'Iran et la Syrie, les deux hommes qui s'appellent désormais François et Barack ont affiché une complète identité de vue. Le président Hollande et moi-même sommes d'accord qu'il faut maintenir les sanctions existantes, même si nous croyons que de nouvelles sanctions pendant les négociations mettraient en danger la possibilité d'une solution diplomatique. Et nous restons absolument unis sur notre but ultime, empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. De son côté, François Hollande a clairement passé l'éponge sur la volte-face américaine au moment où une frappe contre l'armement chimique syrien était imminente. Nous étions prêts à recourir à la force. Nous avons pu trouver une autre option, la négociation. Nous avons permis la destruction partielle des stocks chimiques. Mais nous n'avons pas encore trouvé la solution politique. Dans l'attente des résultats des pourparlers sur le nucléaire iranien la semaine prochaine à Vienne et de la conférence de Genève en cours sur la Syrie, les deux hommes ont cédé à l'appel du grand dîner d'État, orchestré et dominé par la présence de Michelle Obama. Devant les 300 invités, les deux chefs d'État ont redit haut et fort leur satisfaction de voir la confiance restaurée et l'amitié confortée. Au deuxième jour de la reprise de la conférence de Genève 2, les pourparlers de paix entre le gouvernement syrien et l'opposition n'avancent pas. Les différentes parties s'en rejettent la responsabilité. Les proches de Bachar el-Assad accusent l'opposition de vouloir gagner en légitimité. En fin de journée, le ministre de la Réconciliation nationale, Ali Haïdar, a exprimé les doutes des partisans de Bachar el-Assad. Deux hauts responsables accusés d'avoir ordonné la violente dispersion d'une manifestation fin novembre dernier en Ukraine ont été amnistiés. La poursuite contre le chef adjoint du Conseil de sécurité nationale, Volodymyr Sivkovitch, et le maire de Kiev, Oleksandr Popov, ont été abandonnées dans le cadre de la loi d'amnistie, a souligné le parquet de Kiev. Le parti Oudar de l'ex-boxeur Vitali Klitschko, un des dirigeants de l'opposition, a pour sa part exigé aujourd'hui la libération immédiate des manifestants victimes de l'arbitraire judiciaire. On termine avec cette information en bref. La justice thaïlandaise a rejeté aujourd'hui la demande de l'opposition d'invalider les législatives controversées du 2 février dernier, donnant un coup de pouce à un gouvernement soumis depuis 3 mois à la pression de manifestants qui réclament sa chute. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.